Bah, c'est frustrant, c'est rageant, parce qu'on était sur une belle série, je crois, de 5 matchs avec la Coupe où on perdait pas. Donc voilà, de reperdre, c'est dommage. En plus, avec ça, on a un peu de mal, on prend pas beaucoup de points. Donc là, on aurait voulu prendre des points. Mais c'est toujours difficile contre une équipe qui joue le maintien. Faut pas enlever ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un match solide, avec la peur, ils ont eu les jambes et tout. Et puis voilà, nous, on n'a pas existé dans les duels, surtout en première mi-temps. Ce qui fait qu'on peut pas poser notre jeu quand on n'est pas dans les duels. Malgré ça, on a quelques occasions en première mi-temps. Et si on marque en premier, c'est pas pareil. Mais on n'a pas fait ce qu'il fallait en première, c'était pas suffisant. Alors après, en deuxième, on court après le score, forcément. On essaye, on donne notre visage en deuxième mi-temps, mais ça suffit pas. On aurait pu jouer plus longtemps, on n'aurait pas marqué parce qu'ils étaient bien en place. Je t'explique pas, parce que sinon on aurait trouvé le remède. C'est toujours difficile de jouer à l'extérieur. En plus, là, sur les matchs qui comptent, les équipes jouent leur va-tout. Une équipe comme 3, ça joue leur va-tout. Voilà, on a mis un peu moins, donc dès qu'on met un peu moins, nous, on n'existe pas, comme j'ai dit. Nous, on peut pas se permettre de jouer à 75 ou 80%, faut jouer à 100%. C'est pas facile tous les jours aussi, hein. On fait pas exprès, c'est pas facile, mais dès qu'on est un peu en dessous, ben on s'expose à des difficultés comme aujourd'hui. On avait une bonne régularité avant ça, on était difficile à battre. Voilà, déjà, il faut garder notre solidité à domicile. On a un gros match contre Lille. Puis continuer à travailler pour essayer de déséquilibrer l'adversaire qu'on a à l'extérieur, être un peu plus efficient offensivement qu'on a à l'extérieur et puis prendre des points. Cette défaite, elle est un peu frustrante parce que voilà, on entame très mal le match, on fait une mauvaise première mi-temps. Et après, en deuxième, on essaie de pousser, mais on n'arrive pas à se procurer assez d'occasions dangereuses. Donc je pense que c'est un match à vite oublier, à prendre ce qu'on a mal fait et vite se remettre dedans. Parce qu'il a manqué un peu de l'état d'esprit, peut-être être un peu plus tueur, avoir encore plus envie d'aller arracher ce match nul au moins. Plus d'envie sur le terrain, plus de détermination pour marquer des buts. Dans la construction, c'était bien en deuxième mi-temps, on s'est créé des situations, mais pas assez pour aller chercher un but. Je sais pas, on a du mal à l'extérieur, le contexte, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais on doit beaucoup travailler sur ça pour faire beaucoup mieux les prochains matchs à l'extérieur. Ouais, c'est vrai que les blessés, ça fait un peu mal, parce que voilà, on a eu 3 blessés aujourd'hui, en plus 3 défenseurs, donc c'est compliqué. On a essayé de faire avec durant le match, mais j'espère qu'ils vont pouvoir revenir au plus vite. Non, il va falloir se remettre la tête à l'endroit et refaire ce qu'on a toujours fait depuis le début de la saison, remettre l'état d'esprit, remettre l'intensité dans les courses et dans les attaques.